Bonsoir à tous. Alors, je vous affiche le WooClap pour cette conférence et je vous attends là-dessus. Alors, je vous attends sur le WooClap. Bonsoir à tous. Vous pouvez me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien? On m'entend parfait. Et alors, par contre, j'arrive pas à voir. Tac, tac, tac. Ah non, ça va être comme ça. Donc là, normalement, vous devrez voir le. Parfait. Vous devrez voir le WooClap. Donc, je vous attends dessus. On va attendre 5 minutes le temps que vous arrivez. Alors, pourquoi personne ne rejoint? Ah, 817. Ok, ça marche. Alors, on est parti. Donc, moi, je me présente, je suis Pierre Dardenbureau, je suis hématologue à Paris. J'avais fait 38e à l'ECNI 2016. Et donc, je suis responsable de la conf TACFA pour l'hématologie. Et donc, on va essayer durant cette heure, heure et demie, refaire un tour de l'hématologie pour que vous soyez bien au point pour l'EDM. En premier lieu, j'avais regardé ce qui est tombé dans les annales en format EDN. Alors, vous allez voir, c'est assez varié. On a des pathologies hématomes, myélome, LAM, LLC. Et après, beaucoup de questions isolées assez larges. Donc, c'est un peu là-dessus que je me suis basé pour faire cette conférence de dernier tour. Essayer de revoir les principales situations qui vous font évoquer les grandes hémopathies.
et également de parler des petites subtilités, des petits pièges en émettant. Et alors, il y aura quelques, c'est pour ça que je me suis mis sur GoClap, il y aura quelques questions pour émailler la présentation, mais il y aura aussi quelques rappels de cours. Alors, n'hésitez pas, alors moi je suis sur le chat, alors je suis sur le chat sur YouTube. Si. Alors, je peux pas voir le chat sur Twitch en même temps. Je vais essayer de me connecter en même temps, comme ça j'aurai tous les chats. Parce que malheureusement, je n'ai pas de double écran à l'heure actuelle pour avoir une bonne connexion. Je suis encore désolé du problème qu'il y a eu jeudi. J'ai pas le double chat. Alors, je vais relancer ça. Ok, oui, il y aurait des gens sur TAGFA, il y a deux étudiants. Ok, comme ça j'ai tout le chat. Et donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans le flux, sinon au pire à la fin. Donc, l'hémogramme. Ouais, non, c'était un bug d'affichage, Maxime. Donc, l'hémogramme, examen le plus prescrit en France, mais le moins bien interprété. Donc, il faut que vous soyez au taquet là-dessus, hein. Les normes à bien connaître. Tout doit être interprété en valeur absolue, à part pour le pourcentage de lymphocytes dans le syndrome mononucléosique. Il y a quelques petites sous-parties de l'analyse de l'ANFS qui sont un peu moins bien travaillées par les étudiants quand je leur pose la question en stage. Et donc je vous les reprécise. Hein. D'abord la thrombocytose, une cause où il existe de nombreuses causes secondaires. Les carences martiales, l'inflammation, l'asplénisme, la régénération, toutes ces causes doivent être recherchées avant d'évoquer la thrombocytose essentielle, qui représente à peine 10% des cas des thrombocytoses. Après, parfois, il peut aussi arriver qu'il soit décrit une double population érythrocytaire sur des frottis sanguins, sur des résultats de NFS. Alors, qu'est-ce que signifie ce terme de double population érythrocytaire? En fait, c'est le fait que normalement, les globules rouges, ils ont une taille médiane, avec une sorte de forme en cloche, hein, une courbe de Gauss, comme vous l'avez appris. Mais parfois, ça n'a pas cette répartition-là. Ça donne une première courbe, puis un trou, puis une deuxième courbe. Et si vous regardez le VGM, ça va faire la médiane entre les deux. La moyenne, pardon, entre les deux. Et donc, vous passez à côté de cette information. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est fourni par les laboratoires, et ça doit vous indiquer que le patient présente potentiellement une double carence. Il aurait par exemple une anémie microcytaire sur carence martiale et une carence en B12, ce qui pourrait aucune anémie macrocytaire, ce qui fait qu'il y aurait un peu de globules rouges de petite taille et un peu de globules rouges de grande taille. Mais si vous regardez le VGM uniquement, vous aurez un VGM normal. Alors ça peut arriver dans les contextes de bypass, certaines chirurgies ou de malabsorption. Donc faut faire attention à ces petits termes. Parfois ça peut être aussi l'IDR qui est très élevé. L'IDR, c'est l'index de répartition des globules rouges. C'est l'équivalent de l'écart type. Il est très très élevé si vous avez une double population. Voici pour les premières subtilités sur l'anémie. Alors, il y a les carences également en fer, en vitamines, qui sont des questions isolées classiques ou des petits KFP potentiels. Il y a déjà un premier message à vraiment retenir, c'est l'absence de transfusion systématique sur un seuil. Vous ne transfusez les carences qu'en cas de mauvaise tolérance de l'anémie, ce qui est très rare, parce qu'on peut avoir un patient qui a 4 grammes d'hémoglobine sur une carence martiale, pour l'avoir déjà vu, qui va très bien, qui fait même son entraînement d'aviron, parce que c'est une anémie qui apparaît très progressivement. C'est uniquement dans les anémies aiguës brutales que vous avez une mauvaise tolérance qui va apparaître autour de 7-8, ou si des 7-8 grammes par décilitre d'hémoglobine, ou si votre patient a des antécédents particulièrement cardiologiques. Donc, en l'absence de mauvaise tolérance, on ne transfère pas ces patients. La patiente à 4 grammes, elle est rentrée chez elle avec sa prescription de fer. Alors, est-ce qu'on peut évoquer une carence martiale débutante sur une thrombocytose sans anémie? J'ai vu deux corrections contraires. Alors, ça peut arriver. Dans ce cas-là, tu auras souvent une microcytose. Ou au moins une CCMH basse, une TCMH basse, associée à une très légère thrombocytose. Ça peut arriver. Après, pour ce qui est de la carence en fer, pour ce qui est de la prise en charge. Premier lieu, je rappelle que l'examen que vous devez faire, si on vous demande un examen pour la carence martiale, c'est la ferritine.
C'est ce qui est recommandé. Il faut juste faire ça. Si c'est basse, c'est une carence partielle dans une anémie microcytaire. Si c'est normal ou augmenté, c'est autre chose. Dans l'immense majorité des cas. Et il est toléré, si on vous demande de faire un bilan complet d'anémie microcytaire, de faire également une CRP. Maintenant, une fois que vous êtes diagnostiqué cette carence, que vous avez traité la cause, le traitement de la carence partielle, ça va être une supplémentation. Et elle doit être faite en péros en premier lieu parce que ça coûte beaucoup moins cher que la supplémentation IV. La supplémentation péros va passer par un traitement de 3 à 4 mois qui va coûter 2 euros, alors qu'une perfusion de fer injectable, ça coûte 800 euros. Pourquoi c'est aussi cher? Parce qu'en France, il y a eu des patients qui sont décédés de réactions anaphylactiques au décours d'une perfusion de fer injectable. Et principe de précaution en France, on a décidé d'interdire ces perfusions à domicile. Il faut absolument le faire à l'hôpital, ce qui fait exploser le coût. En pratique, c'est pas, ça n'existe pas l'allergie au fer, hein, c'est des patients qui étaient allergiques aux excipients, qui ont malheureusement fait une réaction grave. Et ce qui explique pourquoi, pour éviter de couler le budget de la Sécu, parce que des millions de Français vont présenter au cours de leur vie une carence partielle, il faut toujours tester la supplémentation Péros. Et c'est là où vous allez avoir votre mot à dire, vous pouvez améliorer les choses, c'est sur l'observance de vos patients. Il faut les éduquer, il faut leur expliquer les effets secondaires, les diarrhées, les constipations, les flatulences, les borborismes, les nausées, les vomissements, les douleurs abdominales, les selles noires et le pompon, le truc qui n'a rien à voir, les maux de tête. Il faut leur expliquer tous ces symptômes, leur donner des traitements symptomatiques pour pouvoir les juguler, leur expliquer qu'il faut tenir une semaine, après on se rend compte du bénéfice du traitement, parce que ça se joue vraiment sur la première semaine. Au bout d'une semaine, ils vont se sentir moins fatigués grâce au traitement et ils vont poursuivre leur observation sur les mois suivants. Mais si vous ne leur expliquez pas les effets secondaires, etc., ils vont arrêter très rapidement. Donc, tout joue sur le discours du médecin à ce moment-là. Également, on peut essayer d'optimiser l'observance du patient en jouant sur les modalités d'administration. Il est démontré qu'il faut mieux donner en une seule prise par jour, un jour sur deux, pour obtenir le moins d'effets secondaires et la meilleure absorption. En fait, il y a des mécanismes de rétrocontrôle négatif via l'hepcidine qui empêchent un jour sur deux l'absorption du fer et également l'absorption en plusieurs prises par jour. Donc, vraiment, essayer de garder une grosse dose. Bon, en dehors des repas, c'est mieux absorbé, mais si le patient ne tolère pas, très rapidement de passer pendant les repas, un jour sur deux, en une prise par jour. Si, malgré ça, vous avez un échec, il faut toujours se poser la question, est-ce que le patient a pris le traitement? Est-ce qu'il n'y avait pas des médicaments ou des choses que prend le patient qui pourraient empêcher son absorption? Le principal, c'est le thé. Le thé empêche, est un compétiteur du fer au niveau de son récepteur duodénal. Alors, si vous buvez du thé, ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas des petites quantités de thé qui sont en cause, c'est plutôt des patients qui vont boire 10-15 thés par jour. Et enfin, toujours s'assurer que la cause de la carence partielle a été résolue. Si votre patient il continue à saigner, bien sûr que la carence ne va pas régresser dans les mois qui suivent. Alors, maintenant, pour ce qui est des carences en vitamines, vous devez vous rappeler qu'il existe un risque neurologique à la carence en B12. Qui a quand même beaucoup plus de manifestations, ça peut donner une glossite, donc des troubles neurologiques type sclérose combinée de la moelle, des troubles psychiatriques, alors que la carence en B9, c'est quand même assez centré sur l'anémie. Parfois, on peut avoir une bicytopénie avec une thrombopénie, et dans de rares cas, une pancytopénie. Ça arrive à peu près, il y a un patient par an qui arrive dans un service de leucémie et finalement on se rend compte que c'était une carence en vitamine. Et alors, la carence en B12, il faut avoir le réflexe maladie de Birmer, surveillance endoscopique, hein, parce que c'est une gastrite chronique qui peut être à l'origine de cancer de l'estomac, mais également de formes d'adénocarcinome gastrique, mais également de formes neuroendocrines avec les ECLOM qui peuvent apparaître sur cette gastrite chronique, d'où l'importance de bien surveiller. Et également, il est recommandé de faire un myélogramme si vous avez une carence en B9, B12 sans cause évidente pour expliquer cette carence, parce que ça peut être parfois des carences secondaires à une hémopathie par consommation. C'est principalement des SMD et des syndromes myoprolifératifs.
Alors, le son, c'est un petit problème de son, le dites-le-moi. J'ai essayé d'être au mieux. Donc, tenez-moi au courant. Et alors, on va faire une petite question pour se lancer également dans la conf. Quelle pathologie nécessite une prophylaxie par Bactrim valaciclovir? Je vous laisse une petite minute pour y réfléchir. Ok, bah merci de votre retour. Encore 15 secondes. Alors, vous avez pu répondre pour la bonne majorité d'entre vous. Et donc, assez peu l'ont proposé dans la LAL. Alors, je pense que ça. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur sur la. Non, c'est pas facile. J'espère que j'avais laissé la possibilité de. Ah oui, je n'ai pas mis au pluriel. Parce que je me dis, les réponses sont un peu bizarres. J'aurais dû la mettre au pluriel. Excusez-moi. Donc, la bonne réponse, c'était LAM, LLC et myélome. La part d'entre vous l'avez marqué, mais peut-être que je l'avais mal paramétré. Donc, je m'excuse. Je vais mettre. Ah, si, il y a quand même 4%, et donc vous avez, il y a certains qui ont répondu à plusieurs en même temps. Alors, oui, les questions, ça peut être des questions à réponse multiple. On va réexpliquer ça juste après. Et donc, pour bien comprendre ça, il faut partir de la différenciation des progéniteurs. Vous avez d'un côté la cellule souche à gauche qui va donner le progéniteur pluripotent qui donne le progéniteur myéloïde en bas, avec les neutrophiles, les plaquettes et les globules rouges. Et là, vous allez avoir surtout des infections à type de BGN, de Coxygramme plus et de champignons liées au déficit en neutrophiles. Il y a trois maladies qui sont, et dans ce cas de pathologie myéloïde, les LAM, les SMD, les syndromes myélodysplasiques et les syndromes myéloproliférative. Toujours le problème de neutropénie, avec des risques dans la neutropénie fébrile de BGN, Coxygramme plus, on en reparlera un peu plus tard. Et pour les neutropénies de plus longue durée, on retrouve principalement dans les inductions de LAM. Vous avez des infections à champignons. Et on peut parfois discuter la prophylaxie par posaconazole, noxafil, un antifongique. Et de l'autre côté, vous avez le progéniteur lymphoïde, qui va donner les lymphocytes B et T, qui est à l'origine de quatre maladies. Donc, le progéniteur lymphoïde, c'est la LAL. Les lymphocytes B, c'est le Hodgkin, enfin, les lymphomes. Une partie des lymphomes, la LLC et le myélome. Attention, le myélome, c'est un faux ami. Ce n'est pas une pathologie myéloïde, c'est une pathologie du lymphocyte mémoire. Et également des lymphomes qui peuvent être B ou T. Donc, je répète, les quatre maladies, c'est LLC, lymphome, LAL, myélome. Et ces quatre maladies vont avoir le même type de risque infectieux. Des infections B médiées, par le déficit B provoqué par la maladie et par le traitement. Vous avez des hypogammaglobulinémies qui vont favoriser les infections à germes encapsulés, hein, parce que les gammaglobulines, en se fixant sur les capsules de ces bactéries, peuvent permettre de les détruire et permettre au reste du système immunitaire de détruire ces bactéries. Et donc les bactéries encapsulées, c'est le pneumocoque, le méningocoque, l'Haemophilus influenza, qui peut donner des bronchites, des sinusites, des méningites ou des pneumonies. Et si votre patient fait des infections à répétition, on peut discuter de lui faire des perfusions d'immunoglobulines. On le réserve aux patients qui font des infections à répétition parce que déjà, il peut y avoir de temps en temps, ça arrive une infection et le patient va être tranquille le reste du temps. Et également, on a une pénurie d'immunoglobuline polyvalente, vu son utilisation large à manu dans des déficits immunitaires, mais également dans de l'immunomodulation. Hein, vous l'avez appris dans le Guillain-Barré, le Kawasaki. Plein de maladies où on peut proposer ce traitement, ce qui fait qu'il y a une tension pour l'obtenir parce que c'est issu de donneurs de sang. Et il faut un grand nombre de donneurs de sang pour pouvoir créer une poche de gamma-globuline. Également, il y a un déficit T1
médié avec des risques d'infection à herpès et VZV et pneumocystose. Alors, comment on s'en souvient? Pensez au VIH non traité. Qu'est-ce que fait un VIH non traité? Il va faire déactivation herpès, HSV, VZV. Et si son taux de CD4 baisse, il va faire déactivation pneumocystose, toxoplasmose. C'est la même chose chez les patients avec des pathologies lymphoïdes. Et donc, quand vous les traitez, vous avez un risque de ces réactivations. C'est pourquoi vous allez donner du valacyclovir et du Bactrim. Valacyclovir pour limiter herpès VZV et Bactrim pour limiter pneumocystose, toxoplasmose. Et ça, c'est dès que vous traitez les patients. Alors, certains d'entre vous se posent peut-être la question de, mais si j'ai un lymphocyte B qui est malade, pourquoi j'aurai un déficit T? Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est de se rappeler que le système immunitaire, c'est quelque chose qui coopère, c'est un système qui coopère. Et donc, si un élément est perturbé, ça va perturber l'ensemble du système immunitaire. L'exemple classique, c'est le VIH, pathologie du lymphocyte CD4, qui va être l'origine d'une perturbation de l'entièreté du système immunitaire, avec des risques de cancer, de réactivation, de pathologie, d'infection opportuniste ou de pathologie cardiovasculaire. Et donc, dès que vous traitez une pathologie lymphoïde, LAM, LLC, myélome, lymphome, vous devez donner du Bactrim valacyclovir. Si vous avez une LLC stade A ou un MGUS, donc des stades débutants de maladie, ce n'est pas indiqué en première intention. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vacciner les patients. C'est là où ça marche le mieux. Vaccin contre la grippe, le Covid et bien sûr le pneumocoque avec le Prévnar 13, puis le pneumovax 2 mois plus tard. Donc ça explique un peu mieux la réponse ici, hein. On traite par Bactrim valacyclovir les LAL, LLC, myélome. La LAM et la LMC, qui est une pathologie, un syndrome proliférative, n'ont pas un risque suffisant pour justifier cette prophylaxie. Parce que normalement, leur lymphocyte fonctionne plutôt bien. Ok, on continue. Et maintenant, une nouvelle question. Alors, quelle pathologie au pluriel, hein, excusez-moi, je les ai toutes mises au singulier, nécessite un myélogramme au diagnostic? Et je vais cacher la réponse. Je laisse encore. Alors, encore 15 secondes. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez répondu? LAM, LAL, LMC, peu d'entre vous, le myélome et la myélofibrose. Ok, alors les bonnes réponses, c'était tout sauf la myélofibrose. Je vais expliquer après pourquoi. Alors, je crois qu'on va faire direct la question sur la BOM et après je corrigerai les deux à la suite. Donc c'est toujours au pluriel, excusez-moi encore de vous. De cette impression. Alors, encore 15 secondes. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? La plasie médullaire, certains lymphomes, la myélofibrose. Alors, vous étiez plutôt bien parti. Hein. Il y a le lymphome que certains n'ont pas coché. Je vais vous expliquer après pourquoi.
Alors, le myélogramme. Comment ça marche un myélogramme? Le myélogramme, c'est basé donc sur la pose d'un trocar avec une aiguille qui est assez petite. Hein. Elle est plus, elle est assez peu large et surtout elle va permettre en fait de uniquement prélever quelques gouttes de moelle. Alors, pour pouvoir aspirer, on met une seringue. Et en faisant ça, en fait, normalement, la moelle ne devrait pas monter parce que c'est quelque chose de solide. Donc, elle ne vient pas toute seule pour pouvoir monter. Elle vient grâce au sang qui est autour, qui vascularise la moelle. Ce qui fait que, quand vous faites un myélogramme, vous prélevez du sang et de la moelle. Et après, bah, pour pouvoir l'analyser, vous le mettez sur une lame et vous étalez. Et vu qu'il y a, ça n'a pas la même consistance, la même densité, vous allez pouvoir étaler de façon différentielle le sang et la moelle. Mais malheureusement, en faisant ces étapes-là d'aspiration et d'étalement, vous modifiez totalement l'architecture et la répartition des cellules, ce qui rend impossible toute analyse histologique. Et donc, le myélogramme, c'est un examen qui permet d'analyser le pourcentage des cellules anormales et également de regarder des anomalies qualitatives des cellules. Et alors, quand vous regardez juste la lame du bas sur cette image à droite, en fait, là, vous voyez à gauche le sang et puis à droite les quelques grains de moelle qu'on va regarder. Et alors, quand est-ce que c'est intéressant? Bah, dans des maladies où il y a des cellules anormales en excès ou quand il y a des troubles qualitatifs. Donc là où il y a des cellules anormales en excès, bah, la leucémie aiguë, hein, 20% de blast, c'est totalement anormal d'avoir ça. Dans le myélome, 10% de plasmocytes. Si vous voulez regarder des carences en vitamines, bah, c'est des anomalies qualitatives des cellules. Dans les syndromes myélodysplasiques, c'est des anomalies qualitatives des cellules. Mais par contre, par exemple, dans les syndromes myéloprolifératifs, c'est un excès de cellules normales qui est présent. Et donc, il peut être assez difficile de faire le diagnostic sur un myélogramme. C'est pourquoi, dans les syndromes myéloprolifératifs, il faut faire une biopsie ostéomédulaire. Sauf dans un cas, la LMC, où c'est pas pour le diagnostic positif, hein, qui est plus lié à la découverte du transcrit Besser-Abelson ou de la cytogénétique T922. Mais en fait, on fait un myélogramme pour évaluer la phase de la maladie dans la LMC. Est-ce que c'est une phase chronique, moins de 5% de blast? Est-ce que c'est une phase avancée, 10%, ou une transformation en leucémie aiguë à plus de 20%? Donc c'est pour ça que dans la LMC, c'est un peu l'exception des syndromes myéloprolifératifs. C'est intéressant de faire un myélogramme. Et il y avait une dernière maladie, je crois, la myélofibrose, ben c'est ce qu'on vient de dire. Donc voilà les bonnes réponses, hein, LAM, LAL, LMC et myélome. Alors, maintenant, pour la BOM, bah, si vous voulez étudier l'architecture de la moelle, voir s'il y a un excès de cellules normales, une infiltration hétérogène de certaines maladies qui ne sont pas issues de la moelle osseuse, ou si vous voulez voir une moelle pauvre, complètement vide, se retrouve dans la plasie médullaire, bah là, il faut récupérer un morceau d'os. Donc, le trocar est beaucoup plus gros. Là, vous allez pouvoir vraiment faire une carotte d'os, hein. Vous le voyez sur l'image du milieu. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir analyser de l'architecture. Et vous voyez une image à droite. Hein. Ce qui est en rose, c'est les morceaux d'os. Et ce qui est au milieu, c'est la moelle osseuse, hein, la moelle rouge, que vous voulez étudier. Et ici, par exemple, je vous ai mis une image d'un syndrome myéloprolifératif parce qu'il y a un excès de cellules. C'est dense, c'est rempli. Toutes les cellules sont collées. Une moelle normale, vous avez des cellules, mais elles ne sont pas toutes collées. Il y a des espaces où c'est un peu plus délié, relâché. La plasie médullaire, bah, vous ne verrez que de la graisse jaune, ça serait tout jaunâtre, en fait tout vide, hein, parce que le marquage, la fixation au formol va retirer toute graisse. Et enfin, donc ça explique la plasie médullaire, la moelle totalement pauvre, la myélofibrose et les autres syndromes myéloprolifératifs hors LMC pour le diagnostic positif. Et il y a une dernière situation où c'est intéressant, c'est dans les contextes donc, de pathologies extra-hémato, donc les cancers solides. Mais aussi les lymphomes, il ne faut pas oublier, les lymphomes, c'est une pathologie qui vient du ganglion et qui va secondairement venir toucher la moelle. Et quand ça vient d'endroit de la moelle, souvent l'infiltration, elle est hétérogène. Vous pouvez avoir une zone où il y a une infiltration et une zone à côté où il ne se passe rien. Et donc malheureusement, quand vous faites un myélogramme, vous allez vous retrouver avec un endroit, vous allez piquer à un endroit et récupérer une toute petite zone. Si le patient a une infiltration juste à côté, vous passez à côté. C'est pourquoi dans les lymphomes de bas grade, il est recommandé de faire une BOM. On va reparler un tout petit peu plus tard de quand est-ce qu'on fait une BOM dans le lymphome, parce que c'est pas toujours très clair.
et les gens sont pas toujours très, comment dire, raccord entre eux. Alors, on continue. J'ai fait que vous n'avez pas de questions. Ça a l'air de... parlons un petit peu maintenant d'hémolyse. L'hémolyse, ça tombe assez rarement à l'ECN. Il faut juste mettre les grandes classes, les grandes causes. Et je vous poserai une petite question, hein, si vous voulez déjà y répondre, dans le chat de YouTube ou de Twitch. Est-ce qu'il y a une élévation de l'acide urique dans l'hémolyse? Et donc, il y a deux grandes classes, les hémolyses corpusculaires qui sont toutes innées, sauf l'HPN, l'hémoglobine paroxystique nocturne. Et de l'autre côté, vous avez tous les causes extracorpusculaires, hein, qui sont plutôt des causes qui sont acquises avec les immunisations, les toxiques, les infections. Et s'il y a une notion à retenir, c'est dans les maths, hein, la maths, les anomalies mécaniques, les hémolytiques, c'est ça le plus grave. C'est ça qu'il faut essayer d'éliminer. Hein. Souvent, on vous demande quelles sont les causes à éliminer en urgence, quels sont les examens à faire. Quand vous avez une hémolyse, il faut toujours s'assurer qu'il n'y ait pas d'argument pour une anomalie hémolytique, hein, donc les schizocytes. Est-ce qu'il y a des situations où on ne fait pas la BOM dans les diagnostics de syndrome préfératif? Donc, dans la LMC, tu ne le fais pas, et dans certaines polyglobulies de Waeckès. Tu peux t'en passer. Je sais plus si je vous ai mis la slide un peu plus loin, mais il y a quelques fois, on peut s'en passer là-dessus. On va voir ça. Alors, donc personne n'est motivé pour répondre à la question. Donc, est-ce que vous savez s'il y a une élévation de l'acide urique dans l'hémolyse? Donc, on passe à la suivante. Alors, il y a beaucoup de oui. Je vais aller sur Twitch si vous avez mis quelque chose d'autre. Je suis pas sûr que je puisse suivre en direct. Alors, vous allez me dire, s'il y a des cellules qui éclatent, il devrait y avoir libération du noyau, de l'ADN, qui contient des bases puriques, qui va donner de l'acide urique. Et mais il faut juste se rappeler que les globules rouges, ils ont perdu leur noyau. Donc ils n'ont pas de base purinique et donc ils n'auront pas d'acide urique. Donc attention, petit piège, hein, je l'avais eu en dossier quand j'étais à votre place en entraînement, je m'étais fait avoir la première fois. Et quand on y réfléchit un peu plus, eh ben, la réponse est non. Il n'y a pas d'élévation de l'acide urique dans les mots. Et alors, il y a un truc qui n'est pas toujours bien compris. Dans les tests d'anémie hémolytique, c'est la différence entre test de Coombs direct et indirect, quand est-ce qu'on le fait et comment ça marche. Du coup, je vous ai fait des petits schémas, enfin, j'ai plutôt repris des schémas, rendons à César ce qui est à César. Et vous avez en haut un test de Coombs direct, qu'on appelle aussi test à l'antiglobine direct, où on va prendre les globules rouges du patient. Et on va essayer de détecter s'il y a des anticorps qui sont collés à la paroi. Et donc pour ça, on va mettre un réactif qui est représenté par cette étoile jaune. Et si il y a des anticorps présents sur les globules rouges vont s'agglutiner entre eux. Et on peut le voir sur les deux premiers tubes présentés à droite, une réaction positive avec une agglutination des globules rouges. Et on fait toujours un tube contrôle où on ne met pas le réactif, on voit ce qui se passe. Donc vous voyez à droite le tube contrôle où vous avez plutôt un effet. Là, ça s'est collé sur le fond du tube. Le but de ça, c'est de détecter la présence d'anticorps sur les globules rouges. Donc ça, c'est signe d'anémie hémolytique auto-immune. Donc vous avez différents résultats possibles. On détecte les IgG, le complément. On ne détecte jamais les IgM parce que malheureusement, les IgM se décollent dans les étapes de préparation de l'échantillon. Il faut savoir que c'est très fréquent qu'il y ait des anticorps qui viennent se coller aux globules rouges. Et donc on fait un lavage. On essaie de décoller les anticorps qui sont faiblement collés aux globules rouges. Et malheureusement, l'IgM, c'est le cas tout le temps. Donc, vous n'aurez jamais un test de Coombs direct positif à IgM. Vous aurez un test à IgG positif. Et s'il est complètement isolé, c'est qu'il est IgM. Et enfin, on peut aussi faire un autre test qui s'appelle le test de Coombs indirect. Alors là, on va plutôt prendre le sérum du patient.
On va le mettre en contact avec des globules rouges O, mais présentant tous les autres systèmes antigènes, KEL, Rhésus, DUL, DUFI, tout ce que vous voulez. Et on va de nouveau mettre le réactif. Et donc, ça permet de savoir si ça a une butine, c'est qu'il y a des anticorps chez le patient. Alors, pourquoi ça serait important de détecter ça? Parce que ça n'a pas l'air d'avoir forcément d'impact si la thèse de Coombe directe négatif sur le diagnostic d'anémie hémolytique. Mais ça, en fait, ça sert à la transfusion. Le test de Coombs indirect, c'est les fameuses ERAI, la recherche d'agglutinine irrégulière. Vous recherchez si le patient a des anticorps qui seraient contre des groupes mineurs de compatibilité des globules rouges. On ne teste pas ce qu'on appelle les agglutinines régulières, qui sont les anti-A et les anti-B selon le groupe sanguin. Parce que ça, vous savez qu'ils sont toujours là. Si un patient est B, il a forcément des anti-A. Si le patient est O, il aura forcément des anti-A et des anti-B. Donc, ça n'a pas grand intérêt de rechercher ça dans les RAI. On recherche uniquement les formes irrégulières. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous, cette partie-là, test de Coombs. Et alors, on va continuer avec maintenant petite question isolée sur les causes de thrombopénie grave. Je laisse y répondre tranquillement. Ça marche. Alors, on va pouvoir avoir vos réponses. Oui, pardon, j'ai séché les propositions. Désolé. Alors, vous avez bien répondu ensemble. Bravo. C'était les bonnes réponses. Retenez, si c'est ça a des initiales, c'est quand même, ça sent quand même assez bon la cause grave de thrombopénie. Alors, quand vous regardez les thrombopénies, il y a plein de causes possibles, hein. La meilleure façon de vous en souvenir, c'est de regarder les pardon, excusez-moi, je me suis perdu dans ma réflexion. C'est d'essayer de passer par catégorie pour éviter de manquer des causes. Donc d'un côté, vous avez les causes centrales, l'insuffisance médullaire, avec les hémopathies de la terre, les anémies carentielles. Et de l'autre côté, vous avez tout ce qui est cause périphérique avec destruction, consommation, séquestration. Les plus graves, c'est les consommations. C'est là où vous avez la CVD, tout ce qui est maths, PTT, CHU. Ces maladies-là, il faut les chercher en premier lieu. Hein. Vraiment, l'idée, c'est si vous avez une thrombopénie, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de CVD, de maths et également bah, toutes les causes tumorales. Et donc, CVD, vous ferez le bilan d'hémostase en cas de thrombopénie. La maths, vous rechercherez un bilan d'hémolyse avec un flux sanguin pour la recherche de schizocytes. Après, dans les causes moins graves, vous avez tout ce qui est destruction, hein, virale, allergique, les PTI primaires ou secondaires. Et dans les trucs encore moins graves, vous avez tout ce qui est séquestration plénique. Vous n'avez pas, ça ne se paraît pas un critère d'urgence. La thrombopénie virale, la plupart du temps, c'est une thrombopénie modérée qui a assez peu. Peu de risque hémorragique et qui est transitoire l'histoire de quelques jours. Il y a de rares formes de thrombopénie, des fièvres hémorragiques, mais là tu sors un peu du cadre. Ce sera pas au premier plan la thrombopénie, mais plutôt la fièvre de retour de pays tropical. Et alors aussi, bon, deux médicaments associés aux thrombopénies. Il faut se souvenir hein, bien sûr de l'héparine, hein, c'est tombé en question à l'EDN, au dernier examen qui a été passé par les D4. Il y avait une question sur la thrombopénie induite à l'héparine, donc à bien connaître.
Et après, il y a plein d'autres médicaments associés. Quand je pose souvent cette question, les gens me proposent plein de choses différentes et c'est souvent bon, hein, les ANS, les IPP, les antiépileptiques. Mais aussi la vancomycine qui est décrite, la quinine qui est certes donnée dans le palu, mais qui peut aussi être donnée pour des douleurs articulaires, dans les causes assez classiques. Mais en pratique, tout est possible. Un de mes chefs a décrit une thrombopénie liée au bolus de corticoïdes. C'était un excipient dans les corticoïdes qui était en cause. C'était une patiente qui avait une CEP, elle avait des bolus de corticoïdes. Ça marchait, mais elle faisait une thrombopénie transitoire durant quelques jours. Et en changeant la marque du corticoïde IV, cette complication a disparu. Je vais vous montrer, hein, tout est possible. Il faut penser à tout quand vous avez thrombopénie, vous suspectez COVID-19. Alors, l'image à droite, ça va peut-être marquer depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ici? C'était l'image d'une de mes patientes que j'avais pris en charge il y a quelques années, qui a une aplasie médullaire avec une thrombopénie chronique. Elle est transfusée 2 fois par semaine depuis des années. Et un soir, elle tombe sur son chien en voulant aller aux toilettes. Puis elle se plaignait d'une petite douleur, mais l'examen clinique est normal. Quelques semaines plus tard, elle se plaint toujours de cette douleur. Bon, on finit par essayer de faire une imagerie. Et là, vous voyez en fait ce qui est hypo-intense, c'est un énorme hématome médullaire. Donc juste pour vous rappeler une notion importante, hein, si vous avez un patient thrombopénique qui se plaint d'une douleur, d'un symptôme qui est inexpliqué, faut pas hésiter à aller à l'examen d'imagerie, au fond d'œil si c'est un truc oculaire, c'est un signe oculaire, parce que c'est très fréquent d'avoir des hématomes parfois extrêmement importants avec une symptomatologie frustrée. L'autre exemple que j'avais eu, maux de tête, j'ai l'impression aucun traumatisme, etc. Maux de tête sur une CVD ou diagnostic de sa leucémie. Il se plaignait de ça, il se plaignait de ça, il se plaignait de ça. On finit par lui faire un scanner, il avait 4 hématomes parenchymatomes. Vraiment, ça peut être assez conséquent. Donc, signe expliqué plus thrombopénie égale examen d'imagerie. Alors, est-ce que la thrombopénie auto-immune est considérée comme grave? Dans la majorité des cas, non, c'est pas une urgence au même point que le PTT, le CHU ou la CVD, où le patient peut mourir en quelques heures. Le PTI, dans l'immense majorité des cas, tu as quand même quelques heures pour pouvoir te retourner, pour pouvoir réfléchir, etc. Après, si ton patient est à moins de 30 000 plaquettes ou qu'il a un syndrome hémorragique, bien sûr que tu ne vas pas le laisser repartir dans la nature sans rien. Mais tu as un peu plus de temps pour le prendre en charge. Maintenant, parlons un petit peu de la CVD, parce que c'est souvent aussi quelque chose qui est assez mal compris, ce qui vous manque quelques notions de physiopathe, qui sont souvent occultées, alors que c'est tellement simple une fois qu'on vous a expliqué comment ça marche. Donc, CVD, qu'est-ce que c'est? La coagulation intravasculaire disséminée. Alors, c'est lié à quoi? C'est lié à une activation incontrôlée de la voie extrinsèque. Alors maintenant, comment ça marche la voie extrinsèque? La voie extrinsèque, en fait, c'est un système sentinelle qui vient vérifier que, en cas de plaie d'un vaisseau, vous allez avoir un bouchon, un thrombus qui va se former pour empêcher, le sang de quitter le système vasculaire. Et donc, pour ça, un système hyper ingénieux a été mis en place. C'est qu'on a mis un produit qui va activer la coagulation dans le sous-endothélium vasculaire. Donc dès qu'il y a une plaie dans l'endothélium, le sous-endothélium est en contact avec le sang et va activer la voie extrinsèque. C'est également pour ça qu'on l'appelle comme ça, hein, la voie extrinsèque, parce qu'elle est activée par quelque chose qui est à l'extérieur du vaisseau, à la différence de la voie intrinsèque. Et donc la voie extrinsèque, dès qu'il y a le facteur tissulaire qui est aussi appelé la thromboplastine, va se retrouver dans le sang, hop, voie extrinsèque, thrombus. Qu'est-ce qui se passe dans la CVD? C'est que dans la CVD, le primum movens, la première anomalie qui va apparaître, c'est la destruction globale de l'endothélium. Vu que l'endothélium est détruit, vous allez avoir un apport massif de facteurs tissulaires de façon disséminée. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, l'organisme réagit comme s'il y avait une plaie béante partout. Il va activer la voie extrinsèque. Ça va former des thrombus partout, d'où le nom, coagulation intravasculaire disséminée. Et malheureusement, bah, ça va consommer tous les facteurs qui étaient disponibles, qui sont en quantité limitée, et ça va provoquer des hémorragies. Et surtout, ça va être à l'origine d'hémorragies qui ne s'arrêtent pas de saigner. Normalement, si vous faites une grosse plaie, un bleu, etc., ça commence à saigner, ça va s'arrêter, parce que vous avez la coagulation qui va fonctionner, et surtout la formation des fibrines insolubles.
Sauf que là, tout a été consommé, il n'y a plus de fibrine, ce qui fait que quand les patients vont vouloir faire une prise de sang, ça va continuer à saigner pendant des heures et des heures et des heures. Ça, c'est vraiment un truc typique de la CV. Donc, vous avez le côté thrombose initiale et le côté hémorragie. Alors, comment on diagnostique une CVD? Ben alors, déjà, il faut prouver qu'il y a une activation globale et disséminée de la coagulation. C'est pour ça que le critère obligatoire, c'est l'évasion des dédimères. Et après, vous avez des critères majeurs et des critères mineurs. Les critères majeurs, c'est la présence d'un TP inférieur à 50%, parce que vous évaluez la voie extrinsèque. Et les plaquettes inférieures à 50 000, parce qu'elles vont être consommées pour former les thrombus de façon disséminée. Et enfin, le critère mineur, il faut avoir les trois. Il faut avoir plaquettes inférieures à 100 gigas par litre, TP inférieur à 65 et fibrogène inférieur à 1. Le fibrogène, il est moins important parce que souvent, dans les contextes de CVD, il y a de l'inflammation et ça fait d'abord monter le fibrogène avant de le faire descendre. Donc, c'est un critère qui est un peu plus tardif dans l'évolution de la CVD. Alors, comment on prend en charge? Il faut traiter la cause. Tant que vous ne traitez pas la cause, vous continuerez à avoir cette activation incontrôlée de la coagulation avec ses risques hémorragiques liés à ses défauts de facteurs. Traitement étiologique plus, plus, plus. Donc, il faut faire un bilan diagnostique parce qu'il y a plein de causes différentes de CVD, entre les incompatibilités ABO, certaines leucémies, les brûlures, certains cancers solides aussi, les infections. Et en attendant que le traitement étiologique soit efficace, vous pouvez faire des traitements entre guillemets palliatifs, qui va être la transfusion de plaquettes avec un objectif de 50 000, et les PFC, c'est 5, c'est 40 plutôt. Dans certaines recommandations, c'est marqué 50. Et le fibrinogène, vous pouvez le transfuser aussi des PFC si le fibrinogène est inférieur à 1. Je sais qu'il y a certains bouquins où ils vous disent qu'on peut aussi perfuser du fibrinogène. On évite quand même, hein, dans la majorité des cas, parce que c'est prothrombotique. On va plutôt préférer mettre du PFC qui apporte un petit peu de fibrinogène sans ce côté thrombotique. Alors, certains pourraient se demander pourquoi on passe de 50, enfin, habituellement les transfusions de plaquettes, c'est à 20 000, et là on passe à 50. Là, il faut juste se rappeler qu'il y a un trouble de l'hémostase primaire avec la baisse des plaquettes et secondaire avec les troubles de l'hémostase via l'activation de la voie extrinsèque. Ce qui explique qu'on ne peut pas se permettre de descendre jusqu'à 20. Vous allez avoir des hémorragies parce qu'il n'y a plus d'hémostase secondaire. Donc, il faut vraiment essayer de maintenir à un niveau suffisant les deux parties de l'hémostase. Pourquoi spécifiquement la lame 3 donne une CVD? Alors, c'est une très bonne question. Ça donne une CVD pour plusieurs mécanismes. Mais en gros, ça va endommager l'endothélium. Il y a des facteurs qui sont produits par les lames 3 qui endommagent l'endothélium. Et aussi, il y a des. Normalement, quand vous avez appris l'hémostase, il y a la formation du thrombus. Et puis après, il y a la destruction du thrombus avec la fibrinolyse. Et la lame 3, en fait, elle empêche tout fonctionnement de la fibrinolyse. Donc, c'est pour ça qu'il y a les. C'est extrêmement grave, hein, dans la lame 3. Vous allez avoir une activation incontrôlée et surtout tous les mécanismes qui pourraient permettre une amélioration vont être bloqués. Et tac, tac, tac. Le TCA est-il allongé dans la CVD? Tout à fait. Alors, parce que vous avez la voie commune qui va finir par être consommée. Mais également, pourquoi on n'a pas pris le TCA pour le score? C'est parce que déjà, un, c'est la voie extrinsèque qui est vraiment impactée dedans. Et le TCA, ça a plein de causes de perturbations, ce qui le rend assez peu fiable pour faire le diagnostic dans cette CVD. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Vous pouvez poser vos questions, hein, sur WooClap. Je regarde rapidement sur YouTube. Mais dans la CVD, la transfusion de nouveaux facteurs de coag et de plaquettes ne peut pas favoriser la formation de nouveaux caillots comme on apporte le matériel nécessaire. Alors, c'est une bonne question. Dans la maths, par exemple, il ne faut surtout pas transfuser en plaquettes parce que tu apportes de nouveaux thrombis. C'est vraiment les plaquettes qui se transforment en thrombis. Dans la CVD, en théorie, apporter de nouveaux facteurs et de nouveaux plaquettes, on pourrait se dire que c'est du carburant pour créer de nouveaux thrombus. En pratique, ça n'a pas été déclaré comme délétère. Alors, probablement que je pense que personne ne s'amusait à faire cette étude. Mais en vrai, si tu transfuses pas, le mec meurt d'hémorragie en quelques heures.
Moi, le seul patient que j'ai perdu sur une CVD au labpro diagnostic, il est mort d'une hémorragie. C'était souvent la thrombose, c'est grave. Hein. Non, je réfléchis, j'ai une personne que j'ai perdue en oncologie sur une embolie pulmonaire. Donc non, c'est moitié-moitié. Mais vraiment, l'hémorragie, t'as pas grand-chose d'autre à faire. C'est souvent des hémorragies diffuses. Moi, quasi tous mes patients sont passés sur hémorragie digestive massive. Ils font la déglobulisation, donc t'es un peu bloqué par ça. C'est une bonne question. Je pense pas que quelqu'un s'est amusé à faire cette étude. T'es un peu trop démuni hein, dans ce contexte. Par contre, c'est une bonne remarque pour l'autre côté. Hein. Est-ce que tu peux, genre, si t'as une thrombose, est-ce que tu peux anticoaguler? La réponse est non. Hein. Tu peux pas faire grand-chose là-dessus. Si t'as une thrombose, on va pas pouvoir t'anticoaguler. Pour l'avoir essayé hein, sur cette patiente qui a fait l'embolie pulmonaire, elle a fait des hémorragies diffuses et ça s'est très mal passé. Donc maintenant, parlons un petit peu de la maths PTTCHU, hein, c'est notre classique. Ça donne des schizocytes hein, qui remontent avec les flèches, hein, c'est des sortes de bonnets phrygiens, c'est des morceaux de globules rouges. Et là, c'est lié au fait que dans toutes les maths, vous avez, en dehors des dysfonctions de valve, qui sont un peu à part dans les anémies mécaniques, vous allez avoir les plaquettes qui vont former des thrombies et les globules rouges vont venir s'éclater dessus. Et donc surtout pas de tension de plaquettes. Et pareil, il faut traiter la cause rapidement parce que ça provoque des thrombies. Et alors là, c'est beaucoup plus spécifique. Ça donne des thrombies dans le cerveau, dans le cœur et parfois dans les reins. Et ça tue le patient en quelques heures. J'ai vu une patiente qui allait parfaitement bien et d'un seul coup, une heure après, AVC. Heureusement, ça récupère assez bien si vous le traitez vite. Et donc les deux patients qui ont fait des AVC quand j'étais en garde de RS ont récupéré intégralement. Mais surtout pas de tension de plaquettes. Donc thrombopénie ne veut pas dire tension de plaquettes, il faut un peu plus réfléchir à pourquoi le patient est thrombopénie. D'où l'importance d'éliminer cette cause rapidement parce que ça va modifier grandement votre prise en charge. Alors après, parlons très rapidement du Willebrand, hein, juste pour vous dire que ça c'est au programme, hein, c'est tombé aux dernières ECN. Il y a plein de sous-types différents. Vous ne devez pas connaître les sous-types. Vous devez juste savoir quels sont les examens qui permettent de le diagnostiquer. Il faut faire l'antigène, le cofacteur et aussi le facteur 8. Parce que le facteur Willebrand, ça sert à protéger le facteur 8 de la destruction par protéolyse dans le sang. Et donc, ça peut arriver d'avoir un tableau qui ressemble à une hémophilia. C'est la question qui est tombée à l'ECN l'année dernière. Et en fait, c'est une maladie de Willebrand. Donc, avant de conclure à une hémophilia, regardez, c'est la maladie 2N en bas à droite. Vous avez un facteur 8 qui est très bas. Si vous avez ça, bah, le patient doit. Vous ne devez pas diagnostiquer une hémophilie chez ce patient, hein, c'est une maladie de Willebrand. À quoi sert l'ADAMS-13? Alors, l'ADAMS-13, je reviens là-dessus, hein, c'est dans le PTT, hein, qui est une des formes de maths. Non, l'ADAMS-13, ça sert à couper les multimères de facteurs Willebrand. Et si. Les multimères ne sont pas coupés, ils vont venir agréger plein de plaquettes, et c'est ça qui va former les thrombies dans le PTT. Dans le CHU, c'est des activations des plaquettes via les voies alternes du complément. Et dans le CHU typique, c'est une toxine qui va pareil activer les plaquettes pour former les thrombies. Alors, je vous ai mis aussi une petite image, hein, je vous la remets ici, sur un test ultime de transfusion de globules rouges. Il faut savoir s'il faut vacciner. S'il faut transfuser, pardon, pas vacciner. Alors, est-ce qu'on peut transfuser ce patient? On finit. Alors, sous la réponse, la majorité d'entre vous ont dit oui. Et c'était la bonne réponse. Alors, je l'explique. Le texte de test ultime, c'est un. Je m'amuse souvent à montrer aux externes. En stage, ce test-là, et c'est vrai qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui confondent
En fait, ils ne comprennent pas comment marche le test, donc on va repasser un petit peu de temps là-dessus. Donc, en gros, on met une goutte de sang du patient et une goutte de sang du culot. Le culot, en fait, il y a des petits boudins. Si vous regardez, hein, c'est bien d'aller voir comment ça se passe vraiment une transfusion. Il y a un petit boudin associé au culot et vous pouvez récupérer une goutte là-dessus. Et après, avec une petite pipette, vous allez les mettre au niveau des anti-A et des anti-B. Et qu'est-ce qu'on a mis dans ces cercles? Dans ces cercles, vous avez mis des anticorps contre les antigènes A et les antigènes B. Et si ça précipite, un peu comme dans le test de Coombs, c'est que c'est positif, qu'il y a présence de l'antigène. Donc là, le patient, il est AB et le culot, il est A. Vous voyez, en B, c'est un aspect étalé, il n'y a pas eu de réaction, donc il n'a pas d'antigène B. Est-ce qu'on peut transfuser un patient AB avec du A? La réponse est oui. La règle en transfusion, c'est on ne peut pas apporter un antigène que le patient ne possède pas. Donc si on avait fait l'inverse, si on avait inversé le culot et le patient, là, ça aurait été interdit. Là, vous auriez apporté l'antigène B chez un patient qui ne le possède pas. Donc, attention. L'ARI, je vous rappelle que c'est uniquement pour les transfusions de globules rouges, que c'est valable 3 jours. Et si vous avez un problème au cours d'une transfusion, ce qu'il faut faire, c'est déclarer l'hémovigilance ou à l'UFS, hein, ça dépend de vos services, mais il faut toujours déclarer une réaction transfusionnelle, même peu grave, parce que c'est grâce à ces statistiques qu'on comprend mieux les transfusions et on permet de réadapter nos prises en charge. Alors après, ce qu'il faut bien connaître, c'est les différentes complications. Hein, ça tombe très régulièrement à l'ECL, à l'EDN. Et donc, vous avez les réactions, genre les variations de tension, parfois les petites plaques qui disparaissent, ou le progrès, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, si vous commencez à avoir des grandes plaques, le patient se gratte pendant plusieurs minutes, ça peut être une réaction légère allergique, souvent ça se traite par antihistaminique, et on le préviendra pour les fois suivantes. S'il a fait de la fièvre ou des frissons, il faut penser, est-ce qu'il n'y a pas une réaction fébrile non hémolytique, hein, ça peut arriver au cours des transfusions de plaquettes, ou une hémolyse aiguë, hein, ça arrive si vous vous trompez de groupe sanguin ou si le patient a des anticorps, également des contaminations bactériennes. Je vous rappelle que les globules rouges, ils sont gardés à une température où il peut y avoir une prolifération de bactéries. Et le, par exemple, le campylobactère, c'est un grand classique hein, de contamination par campylobactère de transfusion et qui peut contaminer le receveur de la transfusion. Si votre patient est en hypotension, bah, ça peut être un choc septique sur une bactérie. Souvent, c'est quand des bactéries, elles ont des toxines. En fait, vous apportez un mélange qui a été conservé pendant plusieurs jours à créer des toxines. Et donc, ça peut tuer le malade en quelques minutes. C'est décrit dans les bouquins. J'ai jamais vu ce type de réaction. Je pense qu'il faut un peu plus attention maintenant. Et pour les hypotensions, vous pouvez avoir donc les réactions anaphylactiques également, avec les chocs anaphylactiques qui peuvent arriver, par exemple, chez les patients qui ont des déficits en IgA. Et également dans le TRALI, hein, qui est une réaction immunologique où les PNN vont attaquer les poumons du patient et donner un tableau de SDRA. Et donc, si on attend un peu, bah, ça finit en hypotension. Et enfin, le grand classique, la dyspnée au cours d'une transfusion de culot. Deux choses à évoquer. La principale, c'est le TACO. C'est le nom anglais de OAP au cours d'une transfusion. Et overload cardiaque, transfusion accident, si je me souviens bien. Et l'autre cause, c'est le trali. Alors, le trali, c'est devenu rarissime depuis qu'on a modifié les modalités, bah, depuis qu'on a fait ces études sur les complications. On a compris que c'était surtout les femmes multipares qui avaient des anticorps anti-HLA ou des anticorps anti-polynucléaires qui étaient en cause, liés à leur grossesse. On les a déployés vers d'autres modalités de transfusion plutôt que de prendre des risques avec le trali. Et ça a fait grandement diminuer cette complication. Mais en gros, l'idée, si vous avez un patient dyspnéique au cours d'une transfusion, on teste toujours le Lasix. Et si ça ne marche pas, bah, ça peut être d'autres choses. Mais en pratique, hein, pour vous dire, sur la région parisienne, il y a eu un trali sur les 10 dernières années. Alors que des OAP, il y en a plusieurs par semaine. Alors après, je voulais vous parler de la neutropénie fébrile. La neutropénie fébrile, c'est hyper important. C'est toujours tombé depuis que c'est en version informatisée les ECM. Et c'est également tombé dans le dernier ECM où il y avait un format qui était très proche du format où vous allez passer. Donc, je peux vous le dire, vous aurez une question là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut savoir? La définition, neutropénie inférieure à 0,5 Go par litre. Et fébrile,
supérieur à 38 3 une fois ou supérieur à 38 deux fois à une heure d'intervalle. Pourquoi c'est ce critère-là de deux fois une heure d'intervalle? Parce qu'en fait, il y a certains patients, quand ils sortent d'aplasie, ils sortent de leur période de neutropénie, ils vont avoir un petit pic à 38, puis ça redescend tout de suite. Donc c'est pour éviter de traiter tous les patients qui sortent d'aplasie. Si vous avez ça, il va falloir commencer des antibiotiques. Comment on décide quel antibiotique vous allez donner? Il y a deux facteurs qui vont jouer. Est-ce que le patient a des signes de choc? Est-ce que le patient a des points d'appel infection? Alors, il faut savoir que la principale porte d'entrée des neutropénies, ça c'est un rang A dans l'idée d'infection de l'immunodéprimé, c'est digestive. C'est une translocation d'une bactérie du tube digestif dans le sang. Et ça donne de la fièvre, parfois des frissons et à peu près rien de plus. Ce qui fait que les médecins non spécialistes qui examinent de temps en temps des neutropénies fébriles vont vous dire, ça n'a pas grand intérêt que j'examine le malade, de toute façon je ne vais rien trouver. Il n'a pas de PNN, il n'aura pas de pus, donc il n'aura pas de symptômes infection. Certes, mais en fait, ça n'empêche pas d'aller vérifier, et surtout, il faut aller vérifier minutieusement votre patient, parce que des petits signes peuvent être des signes avant-coureurs de complications gravissimes, et surtout d'adaptation de vos traitements. Alors, exemple, si votre patient il a des lésions cutanées, c'est une porte d'entrée du staph que vous ne couvrez pas avec l'antibiotique qu'on donne dans la majorité des cas, on va en reparler après. Également, il faut vérifier le cathéter du patient. Très fréquent que ces patients aient un cathéter. Est-ce qu'il y a du pus quand vous appuyez autour du cathéter? Est-ce qu'il y a une inflammation du trajet sous la peau? Si c'est le cas, c'est une indication de retrait du cathéter en urgence et de couvrir les staphylocoques dorés. Également, vous pouvez avoir une mucite. Donc, il faut bien examiner la bouche des patients. Parfois, on arrive, et là, je vous ai mis une petite photo hein, de angine ulcéronécrotique, un classique dans la neutropénie. Alors, personnellement, je ne l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, donc c'est quand même assez rare. Mais si vous voyez ça, c'est une neutropénie. Dans n'importe quel contexte, si vous voyez un patient avec une angine ulcéronécrotique, il faut toujours évoquer la neutropénie, donc il faut lui faire faire une FS en urgence. C'est comme ça qu'on diagnostique souvent des agranulocytoses médicamenteuses ou parfois certaines leucémies. Hein. C'était au diagnostic d'une leucémie. Les autres points, bah, vous vérifiez les poumons, les méninges, les urines, etc. Il y a un point qu'il ne faut pas oublier dans l'examen clinique, c'est le périnée. Pourquoi? Parce qu'il est très fréquent qu'il y ait des anomalies de ce côté-là. Je vous explique. Hein. Le patient, il va avoir fréquemment des hémorroïdes liées à constipation, diarrhée, provoquée par la chimiothérapie et l'alitement. Et s'il fait une crise hémorroïdaire, pour récupérer de cette crise, il faut qu'il cicatrise. Sauf que pour cicatriser, faut qu'il ait des neutrophiles. Il n'y en a pas. Donc, il va garder sa crise hémorroïdaire pendant toute la période de neutropénie. Et qu'est-ce qu'il va faire le patient? Parce que ça lui fait mal. Il va aller voir son pharmacien préféré. Son pharmacien préféré va lui vendre une crème contre les hémorroïdes. Qu'est-ce qui est fourni dans les boîtes de crème pour les hémorroïdes? Des introducteurs. Et ces introducteurs, en fait, ils sont faits quand le patient a une hémorroïde interne. Sauf que lui, il rentre chez lui, il n'a pas montré ses hémorroïdes au pharmacien, bien sûr. Il n'a pas demandé si c'était interne ou externe. Il a un pot de crème. Un tube de crème et un introducteur, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va mettre l'introducteur sur le pot de crème. Il ne va pas demander l'aide de quelqu'un pour appliquer de la crème et il va essayer de faire ça avec des acrobaties. Qu'est-ce qui se fait? La plupart du temps, bah, ils se font des plaies à ce niveau-là. On a même eu des patientes qui ont refusé de l'aide alors qu'ils étaient hospitalisés, qui se sont retrouvés avec des plaies au niveau de l'anus liées à ces manipulations. Donc, hyper important, moi je fais toujours jeter cet introducteur au patient. Et en fait, faut éviter au maximum, faut appliquer au doigt, comme ça vous n'avez pas ces plaies. Le problème, c'est que c'est une porte d'entrée rêvée pour la fameuse gangrène de Fournier, hein. La dermohypodermite bactérienne, vous en avez déjà entendu parler dans les cours de réa, avec des infections gravissimes, des blocs opératoires extrêmement lourds, des lambeaux, des mois et des mois de réanimation et de rééducation. Mais ça, c'est chez les patients compétents, immunocompétents. Si votre patient il est immunodéprimé, là, c'est la cata parce que votre patient va faire une infection plus grave. En plus, si vous n'avez pas le périnée du patient, vous allez arriver en retard. Imaginons coup de bol, le chirurgien, il va tout retirer. Mais là, en fait, même si votre patient il a survécu à l'infection initiale, il va mourir de son hémopathie que vous ne pourrez pas traiter. Parce que pour pouvoir espérer qu'il cicatrise de son lambeau et de l'énorme opération que vous venez de lui faire, il va falloir arrêter la chimiothérapie. C'est pour ça que vous condamnez le patient si vous passez à côté. D'où l'importance de vérifier le périnée de ces patients. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un doute, mais je peux vous dire que quand j'ai appelé le chir, en moins d'une heure, le patient il était au bloc opératoire et on l'a excisé, la partie un petit peu nécrotique qui était présente à ce niveau-là. Alors pour la suite, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez donné le malade, etc.
Si votre patient, et c'est le cas dans la plupart des cas à l'EDN et dans la vraie vie, votre patient il n'a pas de signe de choc, pas de point d'appel, c'est une translocation digestive. Et dans ce cas-là, c'est bêta-lactamine à large spectre avec activité anti-pyo. Tazocilline ou céphépine sont recommandés en première attention. Si maintenant votre patient il est en choc, dans ce cas-là, vous allez mettre de l'aminoside en plus. Si maintenant votre patient il a des certains points d'appel, on peut être amené à mettre des glycopeptides. Vous pouvez mettre en cas d'infection de cathé, infection cutanée, colonisation à SARM, mucite grave ou des troubles digestifs graves, ou si le patient a une hémoculture positive à coxyre en plus. Dans ce cas-là, on met des glycopeptides. Je répète, de base, tout patient de troubles fébrile doit avoir de la bêta-lactamine. S'il est en choc, vous rajoutez de l'aminoside. Et s'il a une infection de cathé, une infection cutanée, une infection type, enfin une mucite grave ou des troubles digestifs importants, une colonisation à SARM ou une hémoculture positive à coxyre en plus, on rajoute les glycopeptides, la vancomycine. Si votre patient, malgré ses antibiotiques, au bout de 3 jours, 4 jours, il continue à être fébrile avec des antibiotiques bien pris à bonne dose, dans ce cas, c'est intéressant de faire un scanner. Parce que c'est très rare qu'une translocation digestive soit encore fébrile au bout de 2-3 jours sous antibiotiques. Par contre, il peut arriver qu'on tombe sur un foyer profond. Et c'est là où le scanner est intéressant pour vous donner un ordre d'idée. Bah, vu que le patient il n'a pas de PNN, souvent, il ne va pas avoir de symptômes en rapport avec ses foyers profonds, on peut passer à côté de plein de trucs. Moi, j'ai eu plusieurs fois les patients qui ont l'appendicite, j'ai eu une fois la cholécystite, j'ai eu des énormes lésions centrales pulmonaires, et le pompon, quand même, c'est la perforation digestive. Vraiment des trucs, et les patients n'avaient pas de symptômes. Parce qu'ils n'avaient pas de PNN pour provoquer cette fameuse réaction à la base du pus. Donc c'est là où c'est intéressant. Et quand vous faites le scanner, vous recherchez ces foyers profonds. Et vous allez au passage aussi rechercher s'il n'y a pas d'argument pour des infections fongiques. Parce que si votre patient, au bout de 3-4 jours, il est toujours fébrile et qu'il est toujours en aplasie, en neutropénie, pardon, c'est là où on peut discuter des antifongiques. Alors, parfois, on vous propose hein, de faire dans le collège d'infectiologie, pour les neutropénies de courte durée, hein, si vous avez un patient qui a un lymphome, un myélome ou un cancer solide. On préfère, s'il est en bon état général, pas de comorbidité, etc., un retour à domicile augmente un sifflox. Pour moi, c'est extrêmement dangereux. Alors, pour vous dire, pour les questions qui sont tombées en ECN informatisé, la bonne réponse a été dans tous les cas, sauf une fois, le bêta-lactamine à large spectre, type tazocilline. La seule fois où c'était bon, je pense que c'est un infectiologue qui a posé la question. Il vous a mis un paraphe énorme en donnant à un patient qui était parfait, jeune, non comorbide, sans antécédents, sans allergies, sans antibiotiques, sans voyage récent, qui avait une neutropénie de courte durée, qui habitait pas loin de l'hôpital, qui avait un médecin traitant qui était accompagné, qui n'avait pas voulu ses traitements, blablabla. Voilà, il y a 50 milliards de critères à vérifier. Pour moi, ce n'est pas du niveau de l'EDN. Donc, ce pourquoi je vous conseille, hein, si on vous le propose, c'est Tazocine qui était bon. Juste pour vous dire, hein, la fausse était augmentation ce qui était proposé. Il n'y avait pas la proposition tazocilline qui était proposée. Parce qu'en pratique, si on regarde les recommandations et comment elles sont bâties, vous avez parfaitement le droit de faire hospitalisation tazocilline. Parce que les études qui ont validé augmentation flox n'ont pas été faites à domicile. Elles ont été faites à l'hôpital. 30% des patients ont dû passer de augmentation flox vers tazocilline. Et donc, dans l'immense majorité des cas, hein, c'est quand même la tazocilline qui reste en chef de file. Bien sûr, en pratique, parfois, on n'a pas de lit. On a des procédures adaptées pour chaque service, mais pour moi, c'est plus du domaine de l'EDN, hein, c'est du domaine de la sous-spécialité. Et en fait, moi, le message que je voudrais vous faire retenir, c'est ne vous amusez pas à faire augmenter un sifflox sans avoir l'avis d'un hémato, parce qu'il y a plein de critères de subtilité. On a encore eu des scores là qui n'ont pas longtemps été sortis. Par exemple, le fait d'avoir une hyperglycémie aux urgences, c'est un critère d'hospitalisation. C'était montré, hein, si vous n'hospitalisez pas le patient qui fait l'hyperglycémie quand il vient aux urgences, en fait, c'est une hyperglycémie de stress. Ça va probablement mal se passer l'augmentation de flux à la maison. Voilà ce que je vais vous dire sur la neutropénie. Et alors, ceftriaxone, non, c'est pas recommandé dans la neutropénie fébrile en première attention parce que ça ne couvre pas le pus océanique, à la différence du CFP. Donc ça, là, ça, j'ai répondu. Alors, je l'ai fait juste vite fait sur YouTube, qu'il n'y ait pas d'autres questions. Mon chat a bugué. Je sais pas pourquoi je vois plus. Ah.
J'attends direct. Alors, le pseudonyme, c'est le pseudomonas tout à fait. Hein. C'est pardon, c'est le deuxième nom du pseudonyme. Le pseudomonas aeruginosa est également appelé le pyocéanique. Eva, si tu veux, je peux te le refaire à la fin de la conférence. Donc, quand est-ce qu'on fait augmenter un Pokémon? Si on ne te laisse pas le choix dans les propositions. Il faut que tu aies un patient, comme je l'ai dit, hein, il faut qu'il ait plein de critères. Qu'il n'ait pas de l'hôpital, cortiqué, qu'il n'ait pas de nausées et vomissements, pas d'antibiotiques récents. Enfin, voilà, il y a trop de critères pour que vous les appreniez. Alors, maintenant, parlons un petit peu d'électrophorèse et de protéines sec. Ah, pardon, ça m'a. J'ai annoncé le sujet. Bon, en attendant, le temps qu'on réponde, hein, quand est-ce qu'on délococyte? Toutes les transfusions sont délococytées. Compatibiliser, c'est à des RAI positifs. On fait irradier pour limiter les risques de GVH post-transfusion. Donc, chez tous les patients qui n'ont pas de lymphocyte T, donc tout ce qui est allogreffe, autogreffe. Traitement par Campath, sérum anti-lymphocytaire, médicaments qui détruisent l'lymphocyté, la fludarabine, la bendamustine, par exemple. Alors, on va voir ce que vous avez répondu. Bon, l'immense majorité d'entre vous ont mis à droite, hein, c'était ça la bonne réponse. Juste pour vous rappeler, hein, l'électrophorèse, il n'y a pas de sens. On peut la présenter dans le sens qu'on veut. Et donc, il faut s'assurer, moi, je l'ai appris ça le jour de l'ECN. Et en fait, il faut vérifier sur les pôles électriques. L'albumine, c'est chargé négativement, ça reste près du pôle positif. Et les gamma-globulines, c'est plutôt chargé positivement. Et donc, ça va aller vers le pôle négatif quand on mettait un courant électrique. Donc, ça, c'est l'électrophorèse. C'est un examen de dépistage. Vous pouvez voir un pic d'allure monoclonale. Pour pouvoir confirmer le caractère monoclonal, vous devez faire cet examen à droite, l'immunofixation. Si vous voyez un pâté, c'est que c'est monoclonal. Et donc, là, c'est IgG lambda. Alors, doit-on encore faire la CRAT? Oui, on fait la CRAT dans une anémie macrocytaire. Donc maintenant, pour les critères du myélome, le myélome, ça va bien connaître, hein, ça tombe très, très souvent. Donc la définition, c'est plasmocytose médulaire à 10% plus une protéine monoclonale. Et après, vous devez rechercher des critères qui orienteraient vers un myélome actif pour lequel vous commencez un traitement. Donc il y a les critères CRAB, hein, ça, souvent, vous connaissez ça bien. CRAB, C c'est calcémie, R c'est rein, A anémie et B c'est bone, c'est les lésions lytiques qu'on voit principalement au scanner. Mais en plus de ça, il y a trois critères qui ont été rajoutés. La présence de lésions focales à l'IRM de plus de 10 mm, la plasmocytose médulaire supérieure à 60% et les ratios chaîne légère anormale sur normale supérieure à 100. Si vous avez un de ces trois critères, c'est également un critère de traitement, ce qu'on appelle les critères SLIM ou les critères de myélome biologiquement actif. Alors, immunofixation et électrophorèse, ce n'est pas du tout la même chose. À gauche, c'est une électrophorèse des protéines sec, et à droite, c'est une immunofixation. Alors après, je voulais vous rappeler, hein, la classification de la LLC, c'est la classification de Binet, où on parle d'aires ganglionnaires. Il y a cinq aires ganglionnaires, donc cervicale, axillaire, inguinale, foie et rate. Et vous basez sur ça et anémie thrombopénie pour décider des stades. Le scan, et ça c'est des palpations, le scanner n'a aucun intérêt pour le bilan d'une LLC. Il faut bien sûr que les cytopénies soient en rapport avec la maladie. Si votre patient se fait renverser par une voiture, ça ne compte pas. Mais bien connaître, hein, ça tombe assez régulièrement cette classification. Alors, vu le temps qui m'est imparti, hein, je vais passer quelques petits trucs. Hein. Bien sûr, à la fin, on pourra, s'il y a des choses un peu plus spécifiques, dont vous voulez la réponse, on en reparlera. Là, je vais essayer d'enchaîner pour essayer de tenir dans les temps et après je répondrai aux questions qui restent. La LLC, donc pathologie IgM, première cause d'hyperlymphocytose, il faut l'évoquer sur une lymphocytose qui persiste au cours du temps, hein, au minimum 3 mois. Le diagnostic se fera par phénotypage avec le score de Matuthès.
Et vous ne traitez pas les binets A, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas de scanner dans le bilan initial. Les origines de l'info, on va passer. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est de parler des questions qui sont débattues et qui sont souvent sélectives au moment du moment où on parle de lymphome. Juste rappeler de ce qu'est les signes B. Les signes B, c'est la présence d'un des trois signes suivants. Une fièvre supérieure à 38 pendant plus de 8 jours, inexpliquée bien sûr, une perte de 10% du poids en 6 mois ou des sueurs profuses. Si vous avez un de ces symptômes, pour le patient, c'est un signe B, c'est de mauvais pronostic. C'est souvent associé à des maladies un peu plus agressives. Et ces signes-là ont été décrits historiquement bien avant qu'on sache différencier les lymphomes B, T et Hodgkin. Du coup, vous pouvez les retrouver dans les lymphomes B, T et Hodgkin. Ça n'oriente pas vers un type de lymphome en dehors le fait que ce soit un lymphome agressif. Quand est-ce qu'il faut faire une BOM? Il faut plutôt la garder pour les lymphomes indolents, dont on parlait tout à l'heure, par exemple le lymphome folliculaire. Dans le Hodgkin et le lymphome B-diffus à grande cellule, maintenant, le TEP scanner est suffisant pour évaluer cette atteinte médulaire. L'estopunction, peu d'intérêt, c'est plutôt intéressant quand vous suspectez une infection. Et attention, faites attention, dans le lymphome, la classification de base, c'est la classification de Ann Arbor, où la rate est considérée comme un ganglion. Donc si vous avez une atteinte de la rate et une atteinte cervicale, ça sera un stade 3. Et stade 4, c'est réservé à tout ce qui est atteinte extra-ganglion et extra-rate. Et au passage, je vous donne un petit moyen mnémotechnique pour vous souvenir de la translocation du lymphome folliculaire. C'est la 14-18 parce que la Première Guerre mondiale, c'est la faune. On va passer celle-là. On avance un petit peu. Ouais, on va parler un petit peu de ça. Parler un petit peu des différentes pathologies myéloïdes. Les pathologies myéloïdes, il y en a trois, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Les syndromes myélodysplasiques, la leucémie aiguë, les syndromes myéloprolifératifs. Et pour bien comprendre comment ça marche, on va partir de la situation physiologique. Vous avez tous des cellules souches dans la moelle qui se multiplient et qui se différencient pour pouvoir donner les éléments figurés du sang, que sont les polynucléaires, les plaquettes ou les globules rouges. Toutefois, dans les maladies myéloïdes, c'est souvent des problèmes de cytopénie. Soit il manque des cellules, soit à l'inverse, parfois il y a en excès. On prend l'exemple par exemple de la myélodysplasie. Bah, vous avez un manque de cellules dans le sang, il y a des cytopénies. On pourrait dire c'est parce qu'il y a un manque de cellules dans la moelle. Ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. La majorité des syndromes myélodysplasiques ont une moelle qui est riche ou normale. Et donc, si ce n'est pas un défaut de nombre de cellules, la seule explication d'expliquer ces cytopénies, vu qu'il n'y a pas de cellules anormales, en tout cas pas dans une quantité importante dans la moelle, c'est qu'il y a un trouble qualitatif. Et ça, c'est important, la myélodysplasie, c'est une maladie qualitative. C'est des cellules qui vont se bloquer lors de leur maturation. Donc, vraiment, on retient ce message clé, sans myélodysplasie, trouble qualitatif lié au blocage de maturation des progéniteurs qui vont mourir et ne pas pouvoir donner suffisamment d'éléments figurés du sang. Le syndrome myéloprolifératif, ce n'est pas ce problème-là. Vous avez trop de cellules dans le sang. Qu'est-ce qui se passe? C'est en fait parce que la cellule a perdu le contrôle dans la moelle. Elle prolifère de façon incontrôlée. Le blast, la cellule immature, prolifère de façon incontrôlée. Et maintenant, qu'est-ce que c'est une leucémie aiguë? Ben, c'est les deux caractéristiques que je viens de vous donner. C'est une cellule qui a perdu le contrôle et qui s'est bloquée. Et donc, ce qui fait qu'il va y avoir une accumulation de blast dans la moelle. Ce qui va finir par donner les fameux 20% de blast qui sont la définition de la leucémie aiguë. Et si on continue dans l'évolution de cette maladie, ces blasts vont finir par aller dans le sang et donner des complications. Je pourrais vous les réexpliquer à la fin si ça vous intéresse. Malheureusement, dans le temps imparti qui m'a été donné, je n'aurai pas le temps. Et donc, vous comprenez bien que les syndromes myélodysplasiques ont le blocage de maturation, les syndromes myéloprolifératifs ont l'excès de prolifération, et la leucémie a les deux. Et ça vous explique pourquoi un syndrome myélodysplasique ou un syndrome myéloprolifératif peut évoluer en leucémie aiguë. Par contre, les deux autres, hein, les syndromes myélodysplasiques n'évoluent pas en syndrome myéloprolifératif et vice-versa, ça n'existe pas. S'il y a une image à retenir en termes de cytologie, on en parlait tout à l'heure, c'est la lame 3 dans la cytologie de la leucémie aiguë. Et c'est les fameux corps d'ivoire, les petits bâtonnets que vous voyez dans le cytoplasme des cellules ici présentes. Ça, c'est en faveur de la lame 3, il faut y penser.
Parce qu'il y a un traitement spécifique et ça permet la guérison dans l'immense majorité des cas, si le patient ne meurt pas de la CVD initiale. Alors, également parlons un petit peu de maladie d'Achias. Hein, c'est une maladie qui fréquemment s'est tombée il y a quelques années. Il y a une question isolée dans le dernier sujet de l'ECM. Et alors, il faut connaître ces trois critères majeurs, hein, l'hémoglobine, l'hématocrite, masse sanguine, plus BOM, plus JAK2. Mais on peut aussi, s'il n'y a pas de mutation de JAK2, faire le critère mineur. Mais attention, par contre, il faut faire une BOM dans la majorité des cas, sauf, c'est le petit encadré rouge que je vous ai mis, sauf si l'hémoglobine est très élevée, ou l'hématocrite, hein, là, on peut se passer de la BOM. Parce qu'il y a très peu de diagnostics différentiels. Vous avez une mutation de JAK2 avec une érythrostose qu'on appelle absolue. C'est pas la peine. Et ça, c'est la question qui est tombée il y a quelques années à l'EDM. L'ECM traumatisé. On continue. Une des notions aussi qui est assez mal comprise, c'est tout ce qui est évolution en myélofibrose et syndrome myéloprolifératif. Et en fait, il y a toute une série de critères qui peuvent apparaître qui vont vous faire évoquer cette évolution. Donc, prenons un exemple, vous avez un patient qui a une polyglobie de Vaquèze, une polyglobie, vous le traitez, il arrive avec une NFS normale, et puis 10-15 ans après, il commence à avoir une anémie, une thrombopénie. Vous vous posez la question, est-ce que c'est une myélofibrose? Alors, déjà, ouais, la myélofibrose, c'est une évolution très très lente. Hein. En gros, il va y avoir l'excès de prolifération des cellules dans la moelle va consommer les ressources qui sont présentes dans la moelle et transformer les cellules de soutien en fibrose. La fibrose va petit à petit remplir la moelle et il n'y aura plus de place pour que les éléments immatures produisent les globules rouges et les plaquettes principalement. Souvent, les leucocytes sont conservés dans ce contexte ou même parfois augmentés. Ils ont l'impression qu'ils ont plus de place pour proliférer. Et donc, les progéniteurs des rouges et des plaquettes vont essayer d'aller ailleurs pour pouvoir fonctionner. Et quel est l'organe qui servait à la production des globules rouges, des plaquettes et même des globules blancs dans votre tendre enfance? C'est la rate. Quand vous étiez bébé, jusqu'à vos 6 mois de vie, c'est votre rate qui produit ces éléments. Et donc, les cellules immatures vont y aller. Bon, au passage, on va pouvoir les détecter dans le sang. C'est pour ça que vous avez une érythromyélémie, hein, des progéniteurs des globules rouges et une myélémie des progéniteurs des blancs qui vont être présents. Et la rate va gonfler de volume pour essayer de pallier à cette fibrose. Maintenant, ça va être assez peu efficace, ça va consommer beaucoup d'énergie, d'où l'altération de l'état général. Et vu que les progéniteurs vont mourir, vous allez avoir la libération de substances pyrogènes qui donnent de la fièvre, des sueurs, des frissons et de l'élévation des LDH. Et enfin, et là je vous demande de regarder ma caméra, ce qui se passe aussi, c'est que vous allez avoir l'apparition de dacryocytes. Pourquoi? Parce que vraiment, les capillaires de la rate, c'est des capillaires qui sont tout petits, qui sont faits pour que les globules rouges en fin de vie rentrent dedans et soient mangés par les macrophages. Sauf que là, la rate, elle va essayer de produire des plus grandes cellules, des réticulocytes, des plaquettes, etc. Enfin, les plaquettes, c'est plutôt petit, mais en gros, des réticulocytes, de l'érythromyélémie. Et donc, vous allez avoir des gros réticulocytes qui vont vouloir passer dans le tout petit capillaire et ça va les effilocher et ça va donner le fameux globule rouge en larmes, les dacryocytes. Donc, c'est lié à ça, à la sortie de la rate dans la myélofibrose. Alors, si quand vous avez ces symptômes-là, il faut fortement évoquer une évolution en myélofibrose. Alors, la plupart des patients n'ont pas tous les symptômes, ils vont en avoir deux ou trois. Alors, attention, il y a un diagnostic différentiel, surtout pour les cytopénies, hein, c'est l'évolution en leucémie aiguë. Et pour ça, il faut faire le myélogramme pour essayer de retrouver une leucémie aiguë et la biopsie médullaire pour la myélofibrose. Si vous faites un myélogramme à un patient qui a une myélofibrose, la plupart du temps, ce n'est pas une moelle pauvre que vous retrouvez, c'est une moelle inaspirable. C'est une petite erreur aussi qui est dans la plupart des bouquins. Et après, je voulais vous parler du principe d'allogreffe, hein. Ne pas voilà, bien comprendre la différence entre autogreffe, où on utilise les propres cellules du patient pour le sauver d'une neutropénie prolongée. L'allogreffe, l'idée, c'est vraiment d'apporter un nouveau système immunitaire pour lutter contre la tumeur. Et alors pour ça, il faut que je vous explique un petit principe et que je vous fasse un petit peu peur en ce dimanche soir. Mais vous inquiétez pas, je vais vous rassurer juste après. Vous, tous les jours, vous produisez 30 000 cellules qui pourraient vous donner un cancer. Mais heureusement, vous avez un système immunitaire qui reconnaît ces cellules, des systèmes de réparation de l'ADN qui vont empêcher les mutations et les anomalies qui sont apparues chez ces cellules de proliférer.
Toutefois, malheureusement, chez certains patients, parce qu'ils ont par exemple des déficits unitaires, ça vous explique au passage pourquoi les patients qui ont des déficits unitaires font plus souvent de cancer. Vous allez avoir des mutations qui vont permettre l'échappement au système immunitaire. Et ça, c'est la base, c'est un des piliers de la cancérogénèse. Et si vous avez un certain type de cancer qui vont échapper au système immunitaire, même si vous les traitez, par exemple les leucémies aiguës, même si vous les traitez par des chimiothérapies à forte dose, la plupart du temps, le patient va rechuter parce que le système immunitaire ne sera pas capable de reconnaître les cellules résiduelles. D'où est venue l'idée de remplacer la moelle osseuse en faisant de la place, en faisant de la chimiothérapie. Et l'objectif, ça va être de faire la première flèche verte de l'image à droite, l'effet GVL, que les lymphocytes du donneur, qui vont médier la plupart des effets antitumoraux, viennent détruire les cellules leucémiques du patient. Toutefois, malheureusement, on ne peut pas dissocier cet effet bénéfique d'un effet négatif, parce que les lymphocytes du donneur peuvent reconnaître aussi le corps du patient comme étant étranger et provoquer ce qu'on appelle la réaction du greffon contre l'autre, qui donne des diarrhées, des éruptions cutanées, des hyperbilirubinémies et toute une palanquée de symptômes au long cours. Et donc, il faut réussir à balancer entre les deux. D'où la difficulté de réaliser cette allogreffe, hein, qui comme a été de plus en plus perfectionnée grâce à la découverte du système HLA qui permet de sélectionner le meilleur donneur qui va donner un effet GVL en limitant tout l'effet GVH. Et on s'est rendu compte que c'était grâce au système HLA, qui en fait est la carte d'identité de vos cellules. Si vous avez une carte d'identité qui est équivalente, ce qui est par exemple le cas dans un quart des cas avec vos frères et sœurs, et une chance sur 1 million avec un parfait étranger, vous pouvez limiter cet effet GVH. Donc, d'où l'importance de trouver le bon donneur. Et je vous enjoins à vous inscrire sur les fichiers de dons de moelle osseuse. Hier, c'était la journée mondiale du don de moelle osseuse, où vous pouvez, en plus de tout le bien que vous offrez au cours de votre carrière de médecin, sauver une vie grâce au don de moelle osseuse. Pareil, je peux vous expliquer un peu plus en détail à la fin de la conférence si ça vous intéresse. Et on va passer ça, parce qu'on arrive à 22h26, on m'a dit 1h30. Et voilà, je vous souhaite bon courage pour l'EDN. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Je vais rester encore 15-20 minutes à essayer de répondre à tout ce que vous m'avez demandé. Comment le VGM dans le VACS, normalement, il est normal. Pour compter une aire d'embiné, faut-il qu'il soit bilatéral ou unilatéral? Normalement, dans une LLC, les adenopathies sont bilatérales. Et donc, tu les comptes telles quelles. Si tu as une myopathie unilatérale, il faut toujours se poser la question, est-ce que tu n'as pas une évolution vers un lymphome de haut grade? Touk, touk, touk. Est-ce qu'il y a intéressant? Bon, ça, c'est moi, j'ai répondu. Pourquoi, si anémie, on compte BNC? Alors, anémie hémolytique, on compte BNC? Oui, tout à fait. Dès que c'est lié à la LC et que tu as une anémie inférieure à 10 grammes, tu vas la considérer. Est-ce que les dacryocytes sont spécifiques de la myofibrose? Oui, tu peux retenir ça. C'est spécifique. Est-ce qu'on peut retrouver des blastes dans le sang dans la myofibrose? Oui, tu peux avoir quelques pourcents et c'est souvent mauvais pronostic. C'est souvent un virage dans la maladie, ça va évoluer vers une leucémie en quelques années. Qu'en fait-on la masse sanguine dans la maladie, dans la polyglobulie? En fait, c'est surtout dans les cas douteux de polyglobulie. Est-ce que tu as un doute entre une vraie et une fausse polyglobulie? C'est tout ça l'intérêt. Si tu penses que le patient a peut-être un syndrome de Gaisbock, hein, c'est des hommes obèses, fumeurs qui peuvent avoir des très légères polyglobulies ou dans des déshydratations intenses. Ah oui, je peux faire comme ça, c'est mieux. Quels examens vont nous aider dans le myélome avec hypogamma? Alors, si tu as un myélome, tu suspectes un myélome, genre un patient qui a une hypercalcémie, une insuffisance rénale, et qui a une hypogamma, en fait, c'est probablement un myélome à chaîne légère, donc tu peux faire l'immunofixation, et tu peux faire aussi le dosage des chaînes légères. Après, si tu as un patient qui a un pic monoclonal et tu vas rechercher une hypogamma dans le contexte des risques infectieux, souvent ce que tu fais, c'est que tu prends les gamma-globines totales. Et tu divises le pic. Et ça donne ce qu'on appelle les gamma-globines résiduelles, et ce qui permet de savoir s'il y a une hypogamma relative. Je vous rappelle, la limite de l'hypogamma, c'est 4 grammes par litre. Pour compter une aire d'embiné, donc ça c'est bon. J'ai jamais compris. Pour la LL, on m'a dit qu'il n'y a pas de seuil de 20% de cellules anormales pour définir la LL, contrairement à la LL. Alors,
Il y a deux choses, je pense, qui ont dû être mélangées. Alors, pour définir la glycémie aiguë, tu suis la recommandation de l'OMS, c'est 20%. Donc ça, retiens ça, c'est ça qui tombe à jour d'examen. En pratique, ça n'existe pas un patient qui a des lymphoblastes et qui n'est pas une LAL. En fait, il n'y a pas d'autre diagnostic possible à avoir des lymphoblastes. Parfois, il y a des cellules qui sont confondues avec des lymphoblastes qu'on appelle des hématogones. Donc ça ne se retient pas. Mais en fait, si tu as des lymphoblastes, tu es sûr que c'est une LAL. Bon, la plupart du temps, c'est des infiltrations massives. Hein. Est-ce qu'on peut faire un point sur une modification du TP et du TCA? Oui, si tu veux, pas de souci. Tac. Donc, par exemple, pour le TCA, et c'est la même démarche hein, pour le TP, si tu as un allongement du TCA seul, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord vérifier la correction avec le sérum témoin. Pourquoi? Parce que tous les matins, le biologiste et surtout le technicien qui va rendre les analyses va lancer un tube test dont on connaît le résultat pour pouvoir avoir une norme. Parce que les temps d'hémostase peuvent varier selon la pression atmosphérique, la température, le tomate parfois, qui a une petite variabilité. Et donc, pour avoir un test témoin, on lance tous les matins. Et en fait, on peut servir de ce tube pour pouvoir détecter différentes anomalies. En fait, si on le rajoute et que ça s'améliore, c'est qu'il manquait quelque chose dans le tube, c'est un déficit en facteur. Par contre, si ça ne s'améliore pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est inhibant dans le tube, et donc dans ce cas-là, c'est un anticorps. Et donc, dans le contexte de TC allongé, les anticorps, il y en a différents types. Les anticorps anti-facteurs qui donnent plutôt des hémorragies, et les anticorps anti-phospholipides qui vont plutôt donner des thromboses. Donc, ça, c'est l'orientation par rapport au diagnostic. Pour le TP, si vous avez un TP bas, vous regardez le facteur 5 et le facteur 7. Le facteur 7, il est bas, c'est le premier à s'abaisser dans déficit en vitamine K et dans les cirrhoses. Et le facteur 5, il est baissé que dans la cirrhose, il n'est pas baissé dans le déficit en vitamine K, ce qui permet de différencier les deux principales causes. Donc ça, c'est bon, j'ai répondu. Dans les œnophilies, est-ce que l'atopie donne jamais inférieur à 1 à supérieur à 1 gramme par litre? Je ne dirais pas jamais, déjà en médecine. Je te donne un exemple. L'aspergillose bronchopulmonaire allergique est une forme d'allergie à l'aspergillose où tu as souvent une hypersophilie intense. Donc, j'aime pas ces cut-off de jamais parce que tu peux toujours retrouver. Par contre, un patient qui a un petit asthme, une dermatite atopique, un truc qui n'est pas une forme gravissime, non, il faut chercher. En fait, l'idée, c'est plutôt de se dire, si tu as plus de 1 gramme, il y a peut-être autre chose sous-jacent. Le grand classique, hein, c'est la toxocarose. Est-ce qu'on retrouve des SHU dans les pneumopathies à pneumocoque? Alors, oui, dans les CHU typiques. Tu peux avoir des contextes de pneumopathie à pneumocoque, c'est quand même assez rare. On traite un trali comme un SDRA, oui, tout à fait. Et en fait, surtout, c'est le temps qui va améliorer le trali. Hein. Il n'y a pas vraiment de traitement étiologique à cette complication. Le déficit en facteur 12, mais altère le TCA. Tout à fait. Donc, pour expliquer cette anomalie, le facteur 12, c'est à la base de l'activation de la voie intrinsèque. Toutefois, il n'est pas là, la kallikréine et la précréalicréine, qui sont les activateurs de la voie intrinsèque, peuvent activer le facteur 11. C'est pour ça qu'en pratique, tu n'as pas d'hémorragie. Mais quand tu testes le TCA, tu te mets dans les conditions où tu veux tester tous les facteurs. Et donc, tu te retrouves à tester aussi le facteur 12. Alors, pour l'histoire de Villebrand et TCA, tout ça, je ne pense pas que ça vaille le coup de refaire un point là-dessus parce que pour moi, c'est hors programme. La seule chose que tu dois savoir, hein, c'est ce qui est tombé l'année dernière en question isolée. C'est qu'il faut penser au il faut éliminer un Villebrand avant de conclure à une hémophilie. Et savoir qu'il faut doser antigène, cofacteur et facteur 8 quand tu veux faire le bilan d'une maladie de Villebrand pour différencier les différents sous-types. D'où vient la cryoglobulinémie dans le myélome multiple? En fait, dès que tu as une maladie qui produit un pic monoclonal, donc ce qui est le cas du myélome, de la maladie de Waldenström, de certains lymphomes de Belgrade, cette immunoglobuline, elle peut avoir des activités différentes. Parfois auto-immune, parfois ça peut donner des syndromes paranoplasiques avec la production de certaines hormones, le VEGF par exemple, et parfois elle peut avoir ce qu'on appelle une activité cryoglobulinémie, c'est-à-dire au froid,
Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui va arriver aux extrémités. Je vous rappelle que la température corporelle est plus importante en centrale. C'est pour ça qu'il faut normalement prendre la température au niveau de l'anus et elle est plus faible aux extrémités. Et donc cette protéine, quand elle arrive aux extrémités où il fait plus froid et surtout en hiver, vous allez avoir une précipitation dans les capillaires. Et donc ça donne des tableaux de nécrose, d'atteinte cutanée, parfois nécessité d'amputation. Et ça peut parfois toucher les reins dans les formes les plus graves avec des insuffisances rénales. Donc c'est juste pas de bol, hein, c'est comme l'amylose. Ta gammopathie, elle a un caractère cryo ou elle n'en a pas. Alors, je vais regarder sur Twitch, mais je pense pas que je puisse voir les questions, non. Ok. Je t'en prie. Voilà, j'espère que ça vous a remis quelques idées en place en hématologie. Je suis encore là 2-3 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Et bon courage pour la dernière ligne droite. Hein. Je crois que j'avais mis le petit truc. Et alors, je crois, non, j'avais mis. Tac. Oui. Non, c'était juste celle-là que j'avais mis. Voilà. On finit hein, pour les quelques personnes qui seront encore là. Est-ce que vous détectez l'anomalie sur ce TEP? C'est juste question bonus. Hein. Il n'y a plus qu'une seule personne. Donc. Oui, l'anomalie était bien au niveau cervical de ce TEP scanner. Pourquoi on n'a pas d'atteinte rénale ou osseuse dans le Waldenström, sachant qu'il y a quand même une synthèse d'IgM? Alors. Tu tombes sur la bonne personne, je suis en test de science sur la maladie de Waldenström. Et alors pour te dire, ça existe les atteintes rénales et les atteintes osseuses de Waldenström. C'est juste que c'est beaucoup, beaucoup plus rare. L'atteinte rénale, ça donne parfois quelques protéinuries glomérulaires, tu peux avoir de l'amylose aussi. Et l'atteinte osseuse, c'est 1% des patients. En fait, c'est probablement lié à des productions de certains marqueurs, par exemple. Les myélomes IgG, IgA, etc., ils vont provoquer le plasmocyte qui est bien formé dans le myélome va produire enfin des rangs ligands et ça va perturber la formation d'ostéoblastes et surtout créer des ostéoclastes qui vont faire des trous dans les os. Alors que dans le Waldenström, c'est un lymphoplasmocyte qui n'a pas souvent tout le matériel plasmocytaire, c'est plus proche du lymphocyte dans la plupart des cas. Et donc tu vas avoir plutôt des formes, je vous en prie, hein, d'atteintes osseuses qui sont très rares. Voilà, mais c'est, on vous dit jamais parce que c'est quand même l'objectif, c'est pas que vous connaissiez les moutons à six pattes de maladies qui sont déjà rares, comme la maladie de Waldenström. Bon, si j'ai plus de questions, et ben je vous souhaite une bonne soirée, bon courage et peut-être à une prochaine pour les Écosses.